allô? Oui, Monique? Oui, c'est elle-même. C'est Monique. C'est ça que je dis, c'est moi la grande Monique Jérôme Forget. Venez en fait, là, il y a Pépito qui attend que je l'insulte parce qu'il a encore oublié de mettre un parapluie dans mon cocktail. Celle qui t'a remplacé au Conseil du Trésor. Ah! Comment vas-tu? J'espère que les fonctionnaires te font pas trop de troubles. Puis que tu poursuis mon bon travail. Bon travail, bon travail. Ici, c'est la crise économique, au cas où tu t'en souviendrais pas. Puis ben honnêtement, j'en ai plein mon casse de tes PPP qui marchent pas. Des contrats qui coûtent plus cher, du non-remplacement des fonctionnaires. Il manque de monde dans tous les ministères. Franchement, Monique, entre toi pis moi, ton héritage, c'est de la... Tut, Monique, là. Calme-toi un peu, là. En plus, tu pars juste avant les négociations avec les employés de l'État. En tout cas, c'est justement pour ça que je t'appelle. Le premier ministre insiste... pour que je prenne ton avis. Ah, c'est très cher Jean. Il a bien raison. Les syndicats, je les ai mis dans ma petite sacoche la dernière fois. Je te dirais même que j'ai une petite recette infaillible. C'est bien ça le pire. D'abord, tu t'organises pour les diviser entre eux autres. C'est pas compliqué, ils aiment ça chicaner. Ben là, j'imagine qu'ils sont de meilleure humeur. Ils ont résisté le Front commun de 1972. Ah, ça c'est un peu gênant. Quoiqu'à l'époque, Bourassa avait emprisonné quelques chefs syndicaux. Je t'envie presque. Hein? Deuxième ingrédient, tu baisses les impôts et puis tu dis qu'on n'a plus les moyens de payer des augmentations de salaire. Que les fonctionnaires doivent faire leur part. Et puis, blablabla. T'as juste à leur dire que ta sacoche est vide. Avec ça, tu devrais être capable de geler les salaires au moins 2 ans. C'est ma recette de pudding aux chômeurs. C'est bien vrai que la sacoche est vide. Troisième ingrédient, tu t'organises pour que ça traîne en longueur. La population vient bien tanner et tu peux imposer ta loi spéciale. C'est-tu vraiment obligé de finir par une loi spéciale? T'as jamais pensé à simplement négocier? Les syndicats sont déjà prêts. Écoute, Monique, pour t'aider, je vais t'envoyer mon expert en négociation. Rocco, répète après moi. Comme disait Jean le Sage, la reine ne négocie pas avec ses sujets. Répète, Rocco. La reine ne négocie pas. C'est vrai, si tu commences à négocier avec eux autres, ça finira plus. Après, ça va être quoi? Les pauvres, les femmes, les écologistes, les vieux? Et puis quoi encore?